What's up mes chers amis Catchadis, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, eh ben, on se retrouve à faire une review d'un pay-per-view AEW. Et ce pay-per-view, c'est ni plus ni moins que AEW Forbidden Door qui s'est tenu il y a nuit de dimanche à lundi à Toronto au Canada. Et pour cette review un peu spéciale, eh ben, j'ai un invité un peu plus spécial. Il s'agit de Yonei qui sera présent pour nous donner un œil un peu plus précis par rapport au pay-per-view. Car pour ceux qui ne le savent pas, Yonei fait beaucoup de reviews de shows AEW sur la chaîne YouTube InfoCatch que vous aurez en description. Donc il y a un œil un peu plus attentif, il suit les rivalités, la construction des catcheurs, etc. À la AEW, tandis que moi je ne suis pas suffisamment à AEW, donc ce qui fait que pour le pay-per-view, bah, je me suis juste contenté de la hype de la carte et des matchs, et non de la construction des rivalités qui ont conduit à ces combats. Donc je remercie Yonei d'avoir accepté mon invitation. Parce que j'avais le droit de refuser. Effectivement, t'as le droit de refuser, t'étais pas obligé de venir. je suis à la maison. Ah, d'accord. Par contre, spoiler alerte, il y avait des matchs de catch. C'est un peu le principe. Bref. Et donc, pour commencer ce deuxième épisode de Forbidden Door, parce qu'il s'agit du deuxième de l'histoire de la AEW, et bah, les officiels ont décidé de démarrer le show par un match de championnat entre le champion de la AEW NJF contre son challenger, pardon, qui est ni plus ni moins que Hiroshi Tanahashi. Donc on a eu droit à un excellent opener entre ces deux catcheurs, et on voit très bien que MJF, c'est littéralement l'incarnation du heel, que ce soit à la AEW ou à WWE. Et d'ailleurs, j'invite mes chers amis catchadites à me donner votre top 3 des heels dans le monde du catch, WWE, AEW, New Japan. Vous faites ce que vous voulez, mais surtout... pour moi, MJF il est littéralement le top 1 des heels, parce qu'il se nourrit de haine des fans durant le match. Parce que MJF il va se foutre de la gueule de Hiroshi Tanahashi, et donc d'une certaine manière de toute la New Japan. Et le match va se terminer avec MJF qui nous fait du MJF, c'est-à-dire qu'il va vouloir tricher pour remporter le combat. Donc il va vouloir utiliser sa ceinture de champion. Mais l'arbitre va le voir. Mais par contre, l'arbitre ne verra pas le coup de bague de MJF pour ainsi conserver son titre face à Hiroshi Tanahashi. Donc MJF ressort quand même d'une grosse victoire et semble se diriger vers une rivalité contre un certain Adam Cole Baby. Le bébé est important. Ouais, donc, enfin, tu l'as dit, ouais, effectivement, il a fait un superbe match et il a bien montré qu'il était heel. Alors, je sais pas si maintenant le son il est bon, je sais pas, parce que d'après un certain connard, il y a trop bas chez moi. Enfin, on m'entend pas bien, par exemple. Donc, ce que je voulais dire, moi, en fait, c'est que il y a un autre truc que t'as oublié de dire par rapport à MJF, c'est qu'il arrive à bien s'adapter à son adversaire, parce que qu'on le veuille ou non, Tanahashi, il est plus spécialement en forme. C'est-à-dire que, je sais pas si tu l'as vu, enfin, tu l'as vu le match. Oui. Est-ce que tu vois comment il marche, comment il a du mal au déplacement et tout ça. Parce que Tanahashi, je le connais depuis longtemps. Et clairement, là, il est cassé de partout, en fait. C'est-à-dire que le style japonais, c'est quand même un style qui défonce bien le corps. Bah, c'est réputé pour être un des styles les plus durs à apprendre quand tu es catcheur. Et là, il est dans une position où son corps est en train de lui dire stop, calme-toi, enfin, je veux dire, ralentis, voire arrête. Et du coup, MJF, il a dû faire avec ça aussi. C'est aussi pour ça qu'il a fait plus le, entre guillemets, le clown. Le clown pour énerver, hein, pas dans le sens le clown. Oui. Le truc, c'est que il a vraiment fait un peu plus dans le théâtral que d'habitude, même s'il le fait souvent. Il l'a fait un peu plus parce que contre Bryan Danielson, le pay-per-view d'avant, c'était un match, mais c'était à 100 à l'heure, quoi.
Oui, là, parce qu'il a dû être, il a dû être lent. Il s'adapte à ses adversaires et c'est ça que je trouve génial chez MJF par rapport à son âge aussi. Oui, parce que j'allais dire, parce qu'il est quand même très très jeune, MJF. Et de voir un catcheur s'adapter à son adversaire de manière. Alors que t'es jeune, c'est pas donné à tout le monde. Généralement, cette capacité d'adaptation, tu as au bout de plusieurs années dans le catch. C'est plus ces vétérans qui y ont. Tu l'as pratiquement en 10 ans, quoi, pour certains. Et certains l'ont jamais. En fait, ça aussi, il faut le savoir. Il y en a certains, ils ont jamais cette adaptation. Mais le truc, c'est que lui, je sais pas. Enfin, clairement, il écoute les anciens, il écoute ceux qui l'ont entraîné, il écoute. Il a l'écoute, contrairement à ce qu'il prétend. J'écoute personne, allez vous faire foutre. C'est son personnage qui dit ça. Lui, clairement, c'est le genre de mec, je pense, tu lui donnes un conseil, il l'écoutera. C'est vraiment le mec. Il est pas humble au niveau du personnage, mais à mon avis, quand tu le connais, ça doit être le mec, un des mecs les plus humbles du monde. C'est vraiment le mec bien, quoi. Et ce match, il prouve aussi que, comme dit, il arrive à faire quelque chose d'excellent. Parce que justement, puisque je suis aussi là pour ça, à Collision, le jour d'avant, il y avait Tanahashi qui était contre Swerve Strickland, que tu connais peut-être aussi de la WWE. Et le truc, c'est que Swerve, il n'avait pas réussi à s'adapter. C'est-à-dire que Swerve, il a un style rapide et voltige. On est d'accord. Ouais. Le truc, c'est que pour Tanahashi, il a ralenti son rythme. Mais il n'a pas réussi du coup à faire ses mouvements aussi bien parce que ses mouvements demandent de la vitesse pour être bien faits. Et là, du coup, en ralentissant, il a botché plusieurs fois. Il a raté quelques prises et tout ça. Le match était quand même bon. Hein. Mais le truc, c'est que Swerve, il n'a pas réussi à s'adapter. MJF, il arrive. Il peut augmenter sa vitesse, diminuer sa vitesse. Il peut être plus dans la force. Il peut être dans la voltige. Il peut faire quasiment tout. Et c'est ça qui est génial chez MJF. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'en premier match, c'est cool. Mais il mériterait plus. Oui. Je veux dire, il mériterait d'être plus haut. Tu vois, je veux dire, c'est bien et c'est dommage en même temps. Tu vois. Oui, c'est vrai. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas parce que t'es en opener que forcément t'es pas mis en avant. Ça, je pense qu'on est d'accord. Justement, mais il y a un truc qu'il faut savoir dans le catch et qu'on oublie souvent, c'est que l'opener est tout aussi important que le main event. Parce que justement, le fait d'avoir mis cet excellent combat en opener, bah, ça nous met. Clairement, le rythme. Le public, ça le réveille direct. Et c'est ça le but, en fait. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, il était peut-être un peu trop bon. Parce que le truc, c'est que normalement, t'es censé monter, c'est au niveau de l'intensité. Ouais. Là, il était quand même vachement haut, c'est pas facile de suivre derrière. Et le truc, c'est ça le problème, c'est qu'il est très bon pour réveiller le public, pour bien lui dire, voilà ce qu'on vous donne, enfin, ce qu'on va vous donner pendant le show. Mais en même temps, est-ce qu'il était pas un peu trop haut? Tu vois, enfin, au niveau de la qualité. Ouais. Mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, il faut d'expérience, il faut des mecs d'expérience en premier match. Sinon, tu vas dire au public, vous voyez, c'est de la merde. c'est ça le problème en fait. Quand tu mets souvent ils font l'erreur en France de mettre des nouveaux en premier match. Jamais faut faire ça. Les nouveaux, ils vont montrer qu'ils sont nouveaux déjà. Et au final, le public, tu leur dis, voilà, c'est ça notre gala, c'est ce que vous allez voir par la suite. Alors que non, c'est une mauvaise pub en fait. Et là, c'est une bonne pub, mais peut-être un peu trop. Effectivement. Et on va pouvoir donc passer au prochain combat. Le premier tour du Owen Hart Foundation. Donc, c'est un tournoi que met en place à AEW pour rendre hommage au frère de Bret Hart, donc Owen. Et pour ce premier tour, nous avons CM Punk qui fait son premier match en pay-per-view. Depuis son retour de blessure face à Satoshi Kojima. Et moi personnellement, j'ai trouvé que le match était plutôt bon. Après, le seul point négatif, c'est que tu vois quand même que CM Punk, ça fait un bon moment qu'il n'est pas remonté dans le ring. Et surtout qu'il est quand même assez âgé. Parce que c'est vrai que le rythme, il est quand même assez lent. Alors, Satoshi, il est encore plus vieux. C'est-à-dire effectivement. Que, voilà. Mais il y a aussi le truc, et ça c'est le pote avec qui je regarde souvent les shows AEW justement qui me l'a dit. Il avait dit, tu te rappelles ce qu'il avait dit CM Punk sur Ryback, je fais qu'il était dangereux sur le ring. Oui. Oui. Bah Satoshi c'est la version japonaise. Oui. Il m'avait dit ça. Et alors du coup je me suis dit, quand j'ai vu le match, je me suis dit effectivement ça se voit. Parce qu'il a vraiment du mal à bosser avec ce genre de personnes. Et là tu vois qu'il a fait de son mieux et il a réussi à faire un bon match. Mais... tu voyais qu'il n'était pas à l'aise dans ce style, en fait, qu'il avait du mal avec Satoshi parce que Satoshi, il a un style, alors c'est le style japonais certes, mais c'est
pas. Enfin, les Japonais, ils tapent fort, mais ils sont très safe. Lui, apparemment, le côté safe, il l'a moins que d'autres. Il y a moins parce qu'on a pu voir une descente de coude. Bouleversé, il y a prochaine génération pour CM Punk. Ouais, à mon avis, s'il avait des plans avec Agili le soir même, c'est fini, c'est foutu. Littéralement. Mais... Et bien sûr, ouais. Comme on vient de dire, CM Punk a fait son retour. Donc, c'est pas surprenant que CM Punk remporte le combat et accède ainsi à la demi-finale de ce tournoi. D'ailleurs, fais gaffe à ce que tu dis, parce qu'il a fait son retour, mais il a déjà eu 3 matchs depuis son retour. Oui, enfin, mais comme j'ai dit, il s'agit de son premier match en pay-per-view. C'est pas ça, c'est que dans les 3 matchs, il en a perdu un déjà. C'est-à-dire que, je sais pas si j'ai le temps de te l'expliquer, parce que tu veux faire court, mais quand il était à Collision la deuxième fois, il était à Toronto, donc territoire ennemi pour lui, parce que Kenny Omega, enfin, pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous savez qu'il y a un problème. Et le truc, c'est que le public l'a hué, mais là, il a été intelligent, c'est-à-dire que il s'est foutu de la gueule du public, tu sais, parce qu'il a joué le heel par défaut, alors que c'est le face normalement. Alors qu'il est face de base. Mais il est heel à Toronto. C'est comme Shawn Michaels, il est heel dès qu'il est au Canada. Bah, c'est un peu comme. Parce qu'on va faire une petite transition avec AWWE, c'est un peu comme John Cena. John Cena, d'habitude, il est face. Dès qu'il est allé à Toronto, il est heel. Quand il va à Chicago, il est heel. Voilà, c'est un peu que c'est pareil pour Toronto. Et quand il était aussi à la ECW, tu sais, le One and Send 2, putain, c'était le heel parfait. Mais le truc, c'est que CM Punk, du coup, il était heel par défaut, comme on appelle ça. C'est-à-dire que t'es censé être face. C'est les fans qui ont choisi CM Punk en tant que heel. Quand tu regardes le show Collision, quand tu regardes ce match, tu te rends compte assez vite qu'il a réussi à récupérer le public. C'est-à-dire que il s'est un peu moqué de lui au départ, tu sais, en jouant le heel, voilà, machin. Et après, quelque chose que les Bucks et Omega n'ont pas fait quand ils sont revenus, tu sais, de la suspension, où ils se sont foutus de la gueule de Punk à Chicago et tout ça, ils ont gagné leur match, ils se sont foutus de leur gueule et tout ça à Chicago. Lui, il a fait tout l'exact opposé et ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il a donné au public ce qu'il voulait. Ce que le public voulait, c'est voir CM Punk se faire tabasser. C'est lui qui s'est fait tabasser le plus dans son équipe. Il voulait le voir perdre. Alors, c'est pas lui qui a pris le tombé, mais son équipe a perdu. Et au final, il a quand même joué avec eux dans le sens où vous voulez me huer, en fait. Il a vraiment fait ce qu'il fallait dans la situation dans laquelle il était. Contrairement à justement The Elite, quand ils sont revenus et qu'ils se sont foutus de la gueule de Punk en faisant, tu sais, le Buckshot Lariat raté, où ils sont atterris sur le cul pour montrer que lui, il n'avait pas réussi. Il n'a pas réussi non plus. Ils se sont foutus sa gueule à plusieurs reprises. Et ils ont gagné leur match, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné au public ce qu'ils voulaient. Donc, eux, ils ont perdu le public de Chicago. Clairement, Omega et les Bucks, ils ont perdu Chicago pour être face là-bas. Par contre, CM Punk, s'il revient à Toronto, je peux t'assurer qu'il va être applaudi. D'ailleurs, ça s'est vu au show. Il n'a pas été hué. Non. Alors qu'il est à Toronto. Il n'a pas été hué. Il a récupéré le public grâce à ça, parce qu'il n'est pas con. Et d'ailleurs, juste aussi rapidement, il était censé avoir un deuxième match pour le premier tour du Owen Hart Cup, mais il a été annulé parce qu'Adam Cole apparemment était malade. Je sais pas ce qu'il a, j'ai pas encore de news, mais du coup il a dû annuler son match parce qu'il était pas en forme pour performer. Ouais, malheureusement. Après, je suis un petit peu Yiwiki, mais apparemment on sent qu'il devrait y avoir une belle feud pour Adam Cole dans les semaines à venir. Avec MJF, Donc moi, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas ce match et qu'il affronte MJF à la fin, moi, je suis partant. Bah, de ouf. Bref, on va passer au prochain combat. C'est un Fatal 4-Way pour le titre AEW International. Donc, on a le champion Orange Cassidy qui défend contre Daniel Garcia, Katsuyori Shibata et Zack Sabre Jr. Personnellement, ce match, j'ai envie de dire, il est à dents de scie, tout simplement parce que je trouve qu'il est bon quand il n'y a pas Orange Cassidy. Exactement ce que je disais. Mais dès qu'il y a Orange Cassidy, je sais pas pourquoi, mais on passe de la quatrième à la deuxième d'un coup. Et dès que Orange Cassidy il est plus dans le ring, on repasse en quatrième. Je sais pas comment tu as vu toi, mais moi c'est comme ça que j'ai vu. Je commençais à m'endormir quand je voyais Orange Cassidy. Et dès qu'il était plus là, j'étais à fond. Exactement. Allez, let's go. Exactement. Le truc en fait, c'est que je vais t'expliquer un truc qui, enfin ce que j'avais dit en fait, parce que j'ai fait une review, tu sais, en direct comme je fais d'habitude pour les shows. Enfin en direct, c'est-à-dire tu sais à chaque fois je faisais 5 minutes ou quelque chose. Et le truc, c'est que je l'avais dit, j'ai donné 2 notes à ce match. C'est-à-dire que normalement, je fais une note sur 10, tu vois. MJF, j'avais, de souvenir, j'avais mis 8, CM Punk aussi.
Et là, ce que j'avais dit, c'était intéressant de mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai dit, quand Orange Cassidy n'est pas là, 8. Quand il est là, 4. C'est-à-dire que il me fait chier. En fait, t'as l'impression que c'est lui le nouveau dans le truc, alors que c'est Garcia le nouveau. Oui. C'est-à-dire que Garcia, il a quoi? Il a 22 ans, je crois. Alors qu'Orange Cassidy, il en a 39. Je sais que ça se voit pas forcément, mais il a 39 ans, le mec. Mm. Et il est moins bon, enfin, il est moins intéressant que Garcia qui vient de débuter, en fait. Et Shibata, lui, il s'adapte à peu près à tout, sauf que quand tu observes Saber et Shibata, quand ils étaient face à Orange Cassidy, ils avaient pas envie. Et ça se voyait. Et ça s'en sentait. C'est ça. Et tu voyais carrément la différence de niveau entre les quatre, quoi. C'est-à-dire que Shibata et Zack Saber Jr., ils sont l'un contre l'autre, ils s'éclatent. Ils te font des trucs de dingue. Garcia, il arrive à peu près à suivre. Il a encore du mal, mais il a 22 ans, faut le rappeler. Donc, c'est normal. Oui. Et Orange Cassidy, il est à la ramasse complet. Oui. Ils ne savent pas quoi faire avec lui. C'est pour ça qu'au final, il n'a rien fait. Et quand il était là, il faisait que casser le match. Et c'est pour ça que c'est une déception. Alors que le mec, il y a quelques années, je me souviens, il s'était tapé quand même une grosse rivalité contre Chris Jericho. Chris Jericho qui est quand même l'un des vétérans de AEW. Ouais. Et que généralement... c'est comme dans n'importe quelle fédération de catch, on te met en rivalité face à un vétéran, c'est derrière t'as un projet. Et Orange Cassidy, bah, le projet, ils ont vite rapidement oublié. Et malheureusement, ça se ressent encore dans ce combat. Bien qu'Orange Cassidy a réussi à conserver son titre International Championship. Mais pour moi, c'est juste par coup de bol parce que voilà, il a su profiter. Je l'aurais donné à Garcia, clairement. Ouais, il a su profiter de cette stipulation du Fatal 4-Way, voilà, pour être opportuniste, comme d'habitude. Mais c'est vrai que pour moi, Orange Cassidy, il méritait pas. Tu vois, le problème d'ailleurs, on le reverra plus tard aussi, ce problème-là, c'est que, en fait, la New Japan, les mecs qui sont de là-bas, c'est-à-dire Zack Sabre Jr. et Katsuyori Shibata. Ouais, j'ai toujours du mal avec ça. Mais Shibata, je retiens vite, facilement, c'est un de mes catcheurs préférés. En fait, les deux, là, Zack Sabre et Shibata, je les adore. Alors, Sabre, je déteste sa gueule, mais j'adore son style. C'est le style de catch qu'il fait. C'est le style que j'aimerais bien faire, moi. Enfin, que j'aimerais bien faire en France, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Le truc, c'est que eux, tu vois qu'ils sont à un autre level. Clairement, tu vois qu'ils sont à un autre level. Et justement, Garcia, un jour, il arrivera à ce level. Mais Orange Cassidy, c'est mort. C'est mort. Il n'y arrivera jamais. À son âge, il n'y arrivera plus. À 39 ans, c'est. Il n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Tu le ressentais à chaque fois qu'ils étaient sur le ring avec lui. Ils étaient en mode, mais putain, qu'est-ce que je viens foutre ici? Ouais, limite, t'aurais fait un fatal four way. Tu mets, c'est un triple menace. Franchement, on se serait tiré. Ouais, le problème, que ça aurait pas été en jeu. Bah, ouais. Il aurait pas été en jeu, malheureusement. Et sauf si entre deux, Orange Cassidy aurait perdu au profit de Daniel Garcia. Ouais, et c'est pour ça que je me suis senti obligé de mettre deux notes à ce match-là. Une note avec les quatre et une note avec les trois autres. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pouvais pas noter le match avec les 4 parce que ça aurait donné un 4. Bah oui, tu vois, c'est con, hein, sur 10. Alors que sans lui, putain, c'était une dinguerie. Mmh. Ouais, je suis d'accord. On va passer au prochain combat. On a Jungle Boy Jack Perry qui affronte le champion du monde poids lourd de la IWGP, donc Sanada. Et à noter que du côté de Jungle Boy, il sera accompagné de Hawk. Je sais pas si ça c'est des. Le fils de Taz, oui, qui est apparemment dans le viseur de la WWE. Voilà, Taz a avoué en interview qu'il aimerait bien voir son fils catché à la WWE. Bref, mais on n'est pas pour parler pour ça. Ouais. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que le match était plutôt correct dans l'ensemble, mais j'ai eu un problème dans ce combat, c'est que. Quand tu es fan de catch, quand tu regardes du catch pendant des années, t'arrives à voir l'aura qu'il y a autour des catcheurs, ouais. T'arrives à reconnaître si le catcheur a un aura de main eventer ou pas. Et pour moi, Jungle Boy, il n'y a pas du tout. Pour moi, il n'y a pas cette aura qui justifie qu'il doit affronter un champion du monde tel que Sanada. D'ailleurs, tu veux savoir qui d'autre est d'accord avec toi? Toi? Sanada. Sanada, ouais. Et le problème, c'est casse-pied. Il avait dit en interview, je comprends pas pourquoi on me l'a mis lui. Mmh. C'est-à-dire, alors qu'il y en a d'autres. Alors, le mec, il le dit, hein, je le connais pas. Et j'ai vu quelques trucs à lui, il est pas au level pour ce titre. Mmh.
pour ce titre, il est pas au level. Ça aurait été parce pour que un titre secondaire, principal. Je pense que ça aurait été mieux. C'est ça, mais il est sur le titre principal de la New Japan. Vous vous foutez de ma gueule? Oui. Et... il a rien à foutre dans ce match. Et Sanada, si... par contre, je le respecte parce qu'il a été super pro. Il a été pro. Ça, il n'y a rien à dire. On a eu un très bon combat. Il a été super pro. Oui. Et Sanada, donc, a conservé son titre. Il a conservé son titre. Et c'est presque, j'ai presque limite envie de dire que c'est l'après-match qui est plus intéressant. Parce que spoiler alert, Hawk n'est pas du tout intervenu. Il était juste là aux abords du ring pour encourager son pote à battre Sanada. Ça n'a pas marché. Et donc, il a cherché à réconforter son pote dans la défaite. Et là, tout d'un coup, Jungle Boy attaque Hawk et confirme ainsi son heel turn, laissant supposer un futur match de championnat entre les deux dans le futur du côté de Chiori. C'est même pas un titre réel, en fait. C'est même pas un titre réel, c'est juste Taz qui a ramené, bref. Mais bon, c'est juste ça qui était presque plus intéressant. Malheureusement... Ça dépend. En fait, le truc, c'est que quand tu suis la AEW comme je le fais, parce que à cause de l'autre trou du cul, là, j'ai pas trop le choix. Non, je déconne. Hein, c'est... Mais le truc, c'est que, en fait, ce heel turn sort de nulle part. Il sort de nulle part, en fait. Le truc, c'est que t'as aucun teasing pendant, ne serait-ce qu'un petit regard ou quelque chose. Il y avait rien avant ce match. Je vais t'expliquer d'où vient ce heel turn, en fait. C'est qu'il y en a beaucoup qui commencent à se plaindre de Jungle Boy en dehors du ring, en fait. C'est-à-dire qu'il commence à avoir un melon. Et dans les conventions et tout ça, apparemment, il est casse-burne. C'est dans le sens, il est vraiment chiant. Mais en dehors du catch, c'est-à-dire que MJF, il joue le rôle de l'enculé, c'est-à-dire voilà. Il est vraiment chiant, en fait. Et du coup, comme il est en train d'avoir un bad buzz sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire, on va le tourner heel. Sauf que ça marche pas comme ça, les gars. Faut le teaser un peu, faut le préparer. Là, c'est sorti du trou de balle. Il y a aucune raison parce qu'il y a pas eu de, méchanceté de la part de Sanada. Il y a pas eu de méchanceté de la part de Hook. Il y a même pas eu d'erreur de la part de Hook. C'est-à-dire que s'il y avait eu une erreur, genre, tiens, je vais distraire Sanada, mais je te distrais toi, ou je fais un truc, il y aurait eu quelque chose. Là, il y a rien. Il y a rien. Le match, il était clean à 200%. Il est sorti du trou de balle, donc c'était mal fait. C'est dommage, hein, parce que effectivement, comme tu le dis, ça aurait pu être le plus intéressant du match, mais même ça, en fait, c'est raté. Ce match, en fait, il était bon parce que Sanada, il était très pro et qu'il l'a bien suivi, enfin, il l'a bien fait, il a bien construit le truc. Clairement, c'est lui qui a dû construire le match. C'est lui qui a fait match, littéralement. Sûr. Mais et malheureusement, voilà. Jungle Boy, il était pas à sa place. Pour moi, il était pas à sa place dans ce match. Il a rien à foutre dans un match de la New Japan. Enfin, pour ce titre de la New Japan. Pour ce titre, je suis d'accord. C'est un truc de fou. Je veux dire, quand il était dans le Fatal Four là, avec MJF et les trois autres piliers, oui. Là, il a le level, tu vois. Enfin, Jungle Boy, je veux dire. Il a effectivement le truc. C'est-à-dire qu'au final, t'as les quatre piliers qui se rencontrent, c'est cool. Mais là, il avait pas du tout le niveau, quoi. Attends, dans le show, il y avait qui? T'aurais mis un du Blackpool. Ouais, parfait. John Moxie ou Claudio. Dans ce match. Un jour, j'ai envie de le voir. Ouais. Sanada contre Claudio, j'ai envie de le voir, ça, un jour. Et justement, en parlant de John Moxie ou de Claudio, on va passer au prochain combat. Match 5 contre 5. C'est pas souvent qu'on voit ça. Nous avons Blackpool Combat Club, accompagné de Shota Imino et Kenosuke Takeshita. Voilà, j'ai un peu de mal. Contre The Elite, Eddie Kingston et Tomohiro Ishii. Yes, bon, j'adore. Dans l'ensemble, c'est un gros bordel, mais un bon bordel. Parce que voilà, c'est quand même un match 5-5, donc alors, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais tu sens quand même qu'il y a une aura qui se dégage entre deux catcheurs. Et ces deux catcheurs, c'est John Moxie et Eddie Kingston. Tu sens qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Et tu dis, ça va péter. Ça va péter entre les deux. Alors, je vais être méchant. Je vais être même très méchant de mon point de vue. C'est en fait, ce match, pour moi, c'est une grosse merde avec une perle au milieu. C'est-à-dire que la perle, justement, c'est le côté Eddie Kingston et Claudio. Enfin, même Claudio, il fait partie de cette histoire, en fait. C'est-à-dire que t'as Moxley et Eddie Kingston qui sont comme des frères, comme ils le disent depuis longtemps. Tu sais, ils sont comme des frères, en fait. Ouais. C'est tellement qu'ils en ont chuté ensemble, qu'ils en ont. Enfin, ils ont un vécu, mais de ouf, tu vois. Et Claudio et Eddie Kingston ne s'aiment pas en vrai. Vraiment, dans la vie, ils s'aiment pas. Tu vois, je veux dire, par contre,
ils sont professionnels, ils arrivent à bosser ensemble. Ça, ça s'est vu aussi. Et le truc, c'est que tout le match, tu ressentais que ces trois-là, ils ont quelque chose d'intéressant ensemble, mais le reste autour, il servait à rien en fait. C'est-à-dire que c'était genre, t'as un bel emballage, enfin, au contraire, t'as un emballage de merde avec une perle dedans. Pour moi, ça donne plus envie de dire qu'en fait, bah, il faut des gros noms pour remplir cette carte, et hop, on les met tous dans un match 5 contre 5. Alors que dans cette idée-là, ça aurait peut-être été plus intéressant qu'ils mettent Eddie Kingston contre Claudio et John Moxley est aux abords du ring. Alors, moi, ce que j'aurais pensé plutôt, ça aurait été même, si tu veux garder un nombre de personnes conséquentes, t'aurais pu prendre, tu sais, The Elite, t'aurais pu prendre Claudio et Moxley, enfin, The Elite avec, enfin, sans Adam Page, et tu mets Eddie Kingston, tu vois, et tu fais aussi le Blackpool, John Moxley, Claudio, et Konosuke, parce qu'ils ont quand même une rivalité avec l'élite, tu vois, lui, il a une rivalité avec The Elite. Donc, tu vois, ça aurait pu être intéressant aussi, parce qu'ils auraient pu faire la même chose, avec moins de bordel. Avec moins de bordel, ouais. C'est-à-dire que Ishii, par contre, il a beaucoup aidé Konosuke parce que, tu sais, à un moment donné, tu l'as vu le match de toute façon. Oui. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il a one-shot Ishii, il l'a fait tomber. Oui. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire que quand tu connais Ishii, quand tu connais. C'est un tank. C'est un vrai tank. Bah, le truc, c'est que... Dans le ring, c'est un tank de combat, littéralement. Ça. Et quand Takeshita, il lui a mis un coup et qu'il est tombé cash, mais comme un KO, ça l'a mis en avant d'un coup. Oui. C'est-à-dire, en fait, dans le match, la perle principale, c'est Eddie, John et Claudio. Mais t'as juste un petit détail qui était super important pour Takeshita, qu'ils veulent mettre en avant aussi, et Ishii s'en est occupé. En un coup. Un one shot, ça a suffi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est juste bien. Tu vois. Par contre, comme dit, le reste, Shota, je me rappelle même plus de ce qu'il a fait dans le match. Moi non plus, je sais même plus. Tu vois, je veux dire, Adam Page, je crois qu'il avait fait un moonsault, tu l'as raté tout le monde. Les Elite, ils ont fait comme d'hab 15 000 super kicks. Mais, enfin, tu sais, les Young Bucks, pardon, ils ont fait 15 000 super kicks. Oui. Et c'est ça, je sais même plus non plus. C'est ça mon problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux que tu peux pas forcément tout mémoriser sur les gros moments de chacun, en fait. Et voilà, mais comme dit, Eddie Kingston, les deux autres. Takeshita et Ishii, ils ont fait quelque chose. Les autres sont oubliables. Ouais. C'est ça le problème de ce match, je trouve qu'il est oubliable. Il est oubliable parce que c'est un gros bordel. D'ailleurs, la perle dedans, la vraie perle, c'est quand Eddie Kingston il a sauvé Moxley d'un double super kick des Young Bucks, ouais. Alors qu'il est dans l'équipe des Young Bucks. Ça, c'est intéressant. Mais... Ça, c'est super intéressant. Et ça donne envie de savoir la suite des événements. Est-ce que finalement Eddie Kingston va réussir à se contenir et de ne jamais attaquer John Moxley? Ou du jour au lendemain, il va péter un câble et il va s'en prendre à John Moxley. Et ça pourrait concrétiser sur un match. En rivalité fraternelle, on va dire. Ouais. Ils se sont tapés comme des frères, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'animosité, c'était vraiment de la violence fraternelle. Tu vois, je veux dire, comme moi et mon frère quand on se pétait la gueule. Bon, ça, c'est ça qui pourrait être intéressant. Ouais. On va passer au prochain combat. Et il s'agit du seul match féminin de la carte principale. Il y a des matchs dans kick-off. Toni Storm. Il y a championne AEW, défend son titre contre Willow Nightingale, qui est donc la championne du côté du Japon, celle qui est devenue championne malgré elle en battant Mercedes Moné. Voilà, malheureusement, pour ceux qui ne savaient pas, Sasha Banks, donc Mercedes Moné, devait être cette championne, mais malheureusement, elle s'est blessée durant le combat, donc ce qui fait que tout a été chamboulé. C'est la cheville, je crois. Oui, bon. C'est pété la cheville de mémoire, ouais. Donc, on a ce match-là. Et franchement, j'ai pas grand-chose à noter sur le combat parce que j'ai pas du tout kiffé. Il est facilement oubliable. On a bien sûr toute la clique de Toni Storm, Saraya et Willow. C'est qui c'est Tu vois aussi que Willow, elle a grave un titre par erreur parce que clairement, elle est pas au level. Ouais. Enfin, elle est pas encore prête pour avoir un titre. Tu sens bien la différence de niveau entre Toni Storm et Willow. Et tu vois très bien que c'est Toni Storm qui doit s'adapter à Willow et pas Willow qui doit s'adapter. Et elle n'y arrive pas facilement parce que c'est pas évident de s'adapter. Elles ont pas le même gabarit. C'est ça, c'est pas si évident. En fait, si c'était Willow la vétérante et Toni Storm la débutante, ça aurait été plus facile. Mais malheureusement, c'est inverse. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est inverse et c'est pour ça que c'est pas du tout surprenant de voir Toni Storm conserver son titre de championne.
Et je crois qu'on a une certaine catcheuse, je crois que c'est toujours Britt Baker qui surveille Toni Storm au vu d'avoir un match de championnat contre elle. Ouais, je crois, oui, parce qu'en fait, l'histoire, elle est surtout tournée entre Jamie Haters, Britt Baker contre les trois autres, là. Mm. Contre justement le. Merde, ouais, le clan de Saraya, littéralement. Ouais, mais ils avaient un nom, mais j'ai oublié. Ouais, moi j'ai pas mémorisé, mais moi j'appelle ça le clan de Saraya. Et encore, t'as une japonaise qui aide souvent les deux autres. Enfin, tu sais, qui aide souvent. Putain, ma mémoire, putain. Jimmy Haters et Britt Baker. Mm. Mais j'ai oublié le nom de la japonaise. Putain, je l'aime bien en plus, c'est chiant. Ouais. Mais donc, pour moi, malheureusement, ce match est facilement oubliable et on peut rapidement passer au prochain combat. Et spoiler alert, il s'agit du match le plus long de ce Forbidden Door. Le match retour opposant Kenny Omega et Will Ospreay pour le titre IWGP United States Championship. Donc pourquoi je dis match revanche, c'est parce que tout simplement ces deux-là se sont affrontés en début d'année du côté de Wrestle Kingdom et c'était Kenny Omega le challenger et Will Ospreay le champion et Kenny Omega avait remporté le combat. Et pour ceux qui n'ont pas vu le match, allez voir. Surtout l'entrée de Kenny Omega qui était incroyable. Son entrée sous le thème de Sephiroth, c'était incroyable. Et on a eu droit. Le finish, il a le nom de One Wing Angel, comme Sephiroth s'appelle dans le. C'est le thème de Sephiroth, ouais. Et donc, le match, on a droit à 40 minutes de pur combat entre les deux. Et j'ai envie de dire, le match, il est excellent, mais. J'ai peut-être me le faire allumer dans les commentaires, mais c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il est moins bon que le match aller à Wrestle Kingdom, mais vraiment de très peu. Je cherche vraiment la petite bête, mais on a quand même un banger. On a un match entre les deux qui peut être littéralement le match de l'année. Et le match, il se termine par une victoire de Will Ospreay qui récupère son titre de champion des États-Unis, des IWGP, et va donc repartir au Japon avec sa ceinture. Et malheureusement, pour Kenny Omega, c'est une défaite qui va pas vraiment le défaire parce que c'est quand même un excellent combat. C'est Will Ospreay en face, donc c'est pas n'importe qui le bat. Après, Will Ospreay, je l'aime pas. Donc, oui, alors, après, tu l'as dit plusieurs fois. Après, on est là, c'est surtout pour parler aussi des performances. Parce qu'on a beau détester, Will Ospreay est quand même un des meilleurs au monde. Ah, mais justement, c'est ça le truc. C'est que j'arrive à faire la part des choses, même si c'est pas évident, parce qu'il a quand même fait quelque chose d'assez dégueulasse. Mais le truc, c'est que je dénigrerai jamais le talent de Will Ospreay. Tu sais, je veux dire, il est dingue sur le ring, Kenny Omega aussi. Par contre, Kenny Omega, tu commences à le sentir que les blessures le rattrapent, c'est tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu. Tu le vois un peu quand même. Après, malheureusement, Kenny Omega, il restait pendant des années au Japon, donc il y a vraiment son style de catch qui se rapporte du Japon. Ouais, donc, mais le truc, c'est d'être une brute et il a souvent été blessé. Et malheureusement, ouais, on sait tous dans le catch, quand t'es blessé trop souvent, ils ont trop souvent tendance à te rattraper tes blessures. Tanahashi. Mais comme dit, le truc, c'est que Omega, là, récemment, alors je sais plus si l'année dernière ou s'il y a quelques mois seulement, mais il avait fait vraiment un arrêt long pour faire plusieurs opérations. C'est quand il était champion AEW sur la fin de son règne, il était blessé. Il a été obligé de perdre face à Edmund Page. C'est ça. Il avait perdu ses titres pour après faire une pause pour faire plusieurs opérations. Alors de souvenir, il avait l'épaule, le dos, je crois qu'il y avait un genou aussi. Et je crois même qu'il y avait les deux. Alors c'est possible, mais il a fait vraiment beaucoup d'opérations d'un coup pour vraiment tout faire. Et du coup, ça se ressent en fait qu'il n'a pas encore repris tout. C'est qu'il n'a pas encore récupéré complet à 100%. Tu vois, ça se voit un peu dans ce match. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire encore mieux, même si c'était déjà un truc de ouf. Et le truc, c'est qu'il était peut-être un peu trop long justement par rapport à la capacité physique de Omega à ce moment-là. Parce que c'est se dire quand même 40 minutes de combat, c'est pas tous les jours qu'on voit un combat qui dure aussi longtemps. Mais n'empêche, il reste quand même excellent. Pour moi, comme je vous dis, il est moins bon qu'à Wrestle Kingdom. Après, c'est mon avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais il reste quand même excellent. Ah, les commentaires, on s'en fout, on a raison, c'est tout. Et donc, bien sûr, on va passer au prochain combat. Et ce match, il sert clairement à une chose, c'est à rabaisser un petit peu la température au vu du main event. Ça a bien marché. Nous avons un combat opposant Sting, Darby Allin et Tetsuya Naito contre Chris Jericho, Minoru Suzuki et
Sammy Guevara. Donc, comme on a dit, c'est un match qui sert clairement à diminuer la température, parce que clairement, c'est plus un match fan service qu'autre chose. Parce que voilà, imaginez, ils affichent Sting, Chris Jericho, Tetsuya Naito, Chris Jericho, Sting, Minoru Suzuki. Oui, ça fait plaisir pour tous ceux qui suivent le catch indépendant depuis de nombreuses années. Mais encore, c'est quand même des affiches qu'on aurait voulu voir entre 10 et 20 ans à peu près. Et que les deux seuls jeunes qui sont dans match, Darby Allin et Sammy Guevara, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de ring. Et puis surtout, bah, on le voit bien, Sammy Guevara, il est assez chaud dans le ring. Je dirais même qu'il est dangereux parce que pour ceux qui se souviennent quand même, Sting a pris une première retraite des rings à cause d'une blessure à la nuque. Et Sammy Guevara, il lui fonce dessus comme un tank sur la nuque. Sting, il est plutôt jeune. Donc, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a grave énervé dans ce match par rapport à Sting, justement. C'était, il était sur la table dehors. Guevara, il a fait le... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce que Ricochet faisait aussi, tu sais, deux fois le tour avant de tomber sur le mec. Oui. C'est le 630, 600 quelque chose. Parce que faire un tour sur soi-même, c'est un 640. 360, c'est 720, je crois. Ouais, enfin bon, voilà. Il a fait deux fois le tour, il est tombé sur Sting. Et là, Guevara, il disparaît. Et Sting, il revient même pas une minute après. C'est-à-dire, il vient de se prendre le coup. Et il a rien vendu du tout sur ce coup-là. Il est rentré dans le ring, même pas une minute après le coup. Mais tu te fous de ma gueule. Je veux dire, s'il y en a bien un qui doit savoir qu'il faut vendre ce genre de coup, genre si que t'es mort, c'est bien Sting. Lui, merde. Ah bah oui. Il rentre même pas une minute après pour, je crois que c'était pour briser un tombé. Mais je pense savoir pourquoi, parce que, à mon avis, c'était Darby qui devait faire ça, le safe et tout ça. Sauf que Darby doit avoir eu un problème, parce qu'on le voyait plus et je sais pas pour quelle raison. Ouais. J'ai pas réussi à comprendre quand est-ce que Darby a pris un coup suffisamment violent pour disparaître. Je me souviens s'il pas. S'il a eu une blessure ou quelque chose, parce que j'ai l'impression que Sting, il a fait cette erreur intentionnellement pour protéger Darby qui a dû avoir un problème. Je pense parce aussi. Parce que Darby, je vois pas de move. Alors, je me rappelle vaguement du match parce que j'ai quelques. Je dors pas. Mais le truc, c'est que j'ai absolument pas vu quand est-ce que Darby s'est pris un coup assez violent pour rester dehors aussi longtemps. Moi non plus, je me souviens pas du tout. À moins d'une blessure, je vois pas la raison. Ouais. Et ça expliquerait pourquoi Sting a pris les devants en se disant je ne peux pas vendre parce que sinon, ils vont devoir utiliser Darby et Darby est en mauvaise posture. Parce que ça serait un truc que je respecte Sting pour faire ça, même s'il a niqué le truc du. Il s'est pris un gros move, il s'est levé en moins d'une minute. Mais je pense, à mon avis, je suis de ton avis, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, ouais. Il a dû faire. Il a dû sauver son pote, en fait. Ouais. Et donc, le match est donc terminé par une victoire de l'équipe de Chris Jericho. Et comme on a dit, c'est un match qui sert qu'à une seule chose, c'est à nous refroidir pour le main event. C'est Sting qui a gagné, non? C'est l'équipe de Chris Jericho, je crois, qui a gagné. Putain, et la vache, j'ai un problème. T'es sûr? Non, c'est toi qui as raison, c'est l'équipe de Sting. C'est Naito. Putain, j'étais pas investi dans le combat. J'ai oublié l'équipe de Sting. Putain, je suis désolé. Ouais, on est d'accord. C'est l'équipe de Sting. C'était l'équipe de Sting et Darby Allin qui ont gagné. Bref. À quel point que le match, j'en avais rien à foutre. Ah ouais, non, mais clairement, moi, j'en oublie qui a gagné. Je crois que c'est la pire note que j'ai donnée du show. Je crois. Je sais plus combien c'était, je crois que c'était 3 ou 4. Et là maintenant, on va passer au main event qui est littéralement une affiche. Quand t'es fan de catch indépendant, tu veux voir ça un jour ou l'autre. Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Déjà, le premier à rentrer dans le ring, c'est Bryan Danielson. Tu sens dès son entrée que tu vas assister à des dingueries et entrer Kazuchika Okada. Oh putain, c'était un banger. Et moi, j'ai envie de dire, et vous qui me dites dans les commentaires, actuellement, parmi tous les matchs que j'ai vus de cette année 2023, c'est ce match-là qui est le match de l'année, parce qu'on a affaire excellents catcheurs. Là, il est pas loin. En tout cas, si c'est pas celui-là, c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Si c'est pas celui-là, il est vraiment pas loin. Voilà. S'il est pas top 1, il est deuxième. Il est forcément top 2. Littéralement, parce qu'on a droit à deux excellents catcheurs dans le ring. On a droit à presque 30 minutes de combat entre les deux. D'ailleurs, tu as remarqué qu'il n'y avait pas de heel ou de face. Non, c'était juste les deux.
les deux, c'était un combat. Les deux, c'était, voilà, c'était vraiment un combat de légende. C'est limite, en fait, ils ont... C'est un match pour désigner qui est le meilleur catcheur sur circuit indépendant, littéralement. Ouais. Pour moi, c'est, oui, c'est un match qui est comme ça. Et génial. Il est génial. Surtout quand tu apprends l'envers du combat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un peu plus tard, on apprend que les 10 dernières minutes, ils ont été chamboulés parce que Bryan Danielson s'est pété bras. Je crois que c'est bras droit. Il s'est pété bras droit. Donc il fait les 10 dernières minutes du combat avec un bras en moins. Tu te dis, il a quand même réussi à nous faire un putain de combat. Mais surtout, il y a dinguerie de fin de match. C'est que Bryan Danielson remporte le combat en faisant abandonner Kazuchika Okada. Et franchement, j'ai pas beaucoup de connaissances concernant Kazuchika Okada, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Oui. Ça doit se compter sur les doigts Donc, d'une main. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de dire « J'ai fait abandonner Kazuchika Okada » et Bryan Danielson fait partie de ces catcheurs qui y ont fait. C'était vraiment une grosse dinguerie. Mais malheureusement, Bryan Danielson est blessé. Et apparemment, c'est très sérieux. Il faut compter 6 à 8 semaines de repos pour Bryan Danielson. Alors, c'est le minimum, ça. C'est minimum. C'est minimum. Mais franchement, avec la dinguerie qu'ils nous ont fait, j'ai envie de voir un match numéro 2 entre les deux. Et peut-être, pourquoi pas, sur la terre natale de Kazuchika Okada, c'est-à-dire au Japon. Un revanche chez lui, quoi. Un match revanche chez lui. Ouais, un match revanche, pourquoi pas, du côté du J1 Climax ou encore de Wrestle Kingdom l'année prochaine, Wrestle Kingdom, Bryan Danielson, Kazuchika Okada, ça peut être sympa. En fait, ça serait l'inverse d'Osprey et Kenny. Oui, mais justement, ça mettrait encore plus en avant y a le partenariat entre la AEW et la New Japan. Ça peut être intéressant. Et puis, justement, ça peut être cool. Et surtout, s'ils sont capables de nous faire une dinguerie comme on a eu là, voire même hisser le niveau, parce qu'on sait pas. On sait pas si ça se trouve, ils étaient capables de monter encore plus en intensité. Parce que qui sait, Bryan Danielson ne s'était pas brisé bras 10 minutes avant la fin du combat, si ça se trouve, les 10 dernières minutes, elles auraient été encore meilleures que les 10 minutes que nous avons eues lors du show, je pense. Non, mais clairement, ils auraient pu faire encore mieux. Mais après, j'en demandais beaucoup quand même, parce que là. Après, j'en demande beaucoup, mais. Voilà, quand vois une affiche comme ça, Bryan Danielson et Kazuchika Okada, t'as envie que ce soit un match inoubliable. Tu te dis que c'est quand même la première fois que ces deux-là s'affrontent. T'as envie de dire, faut vraiment faire en sorte que ce match soit inoubliable entre les deux. Et je pense personnellement qu'ils ont fait le travail. Ce match est inoubliable. Pour ceux qui suivent le circuit indépendant, Bryan Danielson, Kazuchika Okada, AEW Forbidden Door 2023. Je pense que c'est intégré dans nos têtes. Et voilà comment se termine AEW Forbidden Door, qui, dans l'ensemble, je trouve que c'était un très bon show. Faut pas dire excellent, parce qu'il y a quand même des matchs qui sont Orange Cassidy. Mais dans l'ensemble, le pay-per-view y est très bon. Franchement, moi j'étais content de voir ceux que j'adore, tu sais, c'est-à-dire... Quand j'ai vu Shibata, Zack Sabre, Sanada, mon préféré, Ishii, putain, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Et après, quand il y a Naito qui a été annoncé, quand il y a eu Okada, j'ai fait, putain, mais le rêve. Tu sais, pour moi, c'est le rêve, je voulais voir sur un show. Et c'est justement grâce à ça que, et on peut que remercier All Elite Wrestling de nous permettre de voir ces catcheurs de la New Japan compter des gros noms de leur fédération, Bryan Danielson, Kenny Omega, MJF qui affrontent des gros noms du Japon. Et on espère que pour certains combats comme Main Event, on aura un match au retour. Et voilà mes chers amis catchadites, c'est la fin de cette review de AEW Forbidden Door. Donc, petit spoiler alert, c'est peut-être la première review d'un show autre que WWE, mais certainement pas la dernière, car on compte bien avec Yonei et Diane vous proposer, pourquoi pas, prochain gros show du circuit indépendant, comme pourquoi pas le J1 Climax ou encore Wrestle Kingdom du côté du Japon.
Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ou même à celle d'InfoCatch que vous aurez en description, n'hésitez pas absolument à le faire. C'est entièrement gratuit, ça soutiendra nos chaînes. Ah, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je remercie une nouvelle fois Yonai pour son expertise du show AEW et de sa présence. Bah, et donc, on est sur une semaine de Money in the Bank. Donc, il y aura effectivement un live réaction du pay-per-view. Donc, avec probablement Yonai et Diane à mes côtés. Vous aurez bien sûr toutes les vidéos relatives à Money in the Bank. Donc, tout ce qui est Jimbonostic et review du PAE. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et Yonai. Et à la prochaine.